Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir chez moi pour ce direct. J'ai souhaité faire ce direct parce que j'ai vu une amie qui a partagé sa musique et j'ai trouvé ça vraiment très très chouette de pouvoir donner comme ça un petit peu de ce qu'on est et partout sur la terre où vous soyez. Hola, hola los amigos de Ecuador y de otras partes, mis amigos de allá. Estoy encantada de recibirlos en mi casa para compartir algunos poemas. La verdad fue la alegría de dar, de obsequiar lo que soy al profundo que me ha llevado a hacer este direct con ustedes. Donc, j'ai quelques amis d'Équateur qui seront là pour nous écouter aussi. Donc, de temps en temps, je vais traduire en espagnol et puis ça me fait vraiment plaisir parce que c'est une langue que j'aime beaucoup. Voilà, donc moi j'ai sorti un recueil de poésie qui s'appelle Sensualité féminine. Il a été publié en février 2019. Et grâce à un ami qui, j'espère, pourra voir la vidéo en direct tout de suite, parce que étant... S'il peut voir, mon assistant dit « Ok, super !» Ah, ça c'est une bonne nouvelle, puisqu'il ne voit pas, et puisqu'il est non-voyant, les techniques modernes ne sont pas toujours facilement accessibles pour les personnes qui ont des difficultés visuelles. Donc apparemment, il est là, je vois des petites choses qui bougent, c'est chouette, il y a du monde. Et bienvenue, et c'est parti pour un voyage... ensemble de peut-être 30 à 40 minutes, on verra. J'ai senti le souffle du chant des oiseaux glisser de mon cou à mon cœur, m'enveloppant entièrement dans cette énergie pleine et légère de la sérénité. Un confort nouveau dans tes bras, dans ta peau, lovée au creux de ce nid chaud, mon âme se dépose. Il y a quelque chose qui m'appelle. Au plus profond de moi, métamorphose l'abandon de soi. Dans tes bras.
cette inattendue tendresse. Que je ne mérite pas, je la reçois. Elle fut si inattendue qu'avec tout mon corps, je l'ai reçue. Elle m'a été précieuse et délicieuse. Elle m'a surprise et je me suis laissée glisser dans son emprise, enveloppée par quelques simples caresses, quelques gestes simples, comme un zeste de bonheur simple. Si simples, elles ont pourtant rempli mon cœur en entier. Le temps d'un instant simple, le temps simple d'un moment de tendresse. Voilà, alors c'est les joies du direct, c'est l'ambiance du port, bienvenue au quartier Titan. Je ne sais pas si vous avez entendu donc les musiques de l'extérieur, alors on va peut-être fermer quand même. Et ce poème, je l'ai choisi pour ce direct parce que vraiment dans... C'est de l'autre côté. Non, en fait, c'est les amplis qui sont assez puissants dans le quartier. Donc, c'est... choisi ce poème que j'avais encore jamais partagé en spectacle lecture parce que ben voilà, la tendresse c'est vraiment le fil rouge de mon livre. En español un poquito este poema era algo que dice que solo algunas caricias te pueden llevar a un momento muy tranquilo, muy rico y que la ternura es muy importante en la vida. Voilà, je vais essayer de pas trop bavarder, j'ai plein de choses à vous dire. Mais voilà, les poèmes parlent d'eux-mêmes. La nature est la source de mon désir. Plongée dans une rivière source, l'eau fraîche fait l'amour à mon corps. En caressant de sa vitalité, chaque cellule l'enveloppe de mon corps. Elle intensifie mon désir d'être corps, se fondant dans les bras infinis de la nature. Un plaisir qui prend corps, juste à me sentir corps en vie, juste à me sentir esprit pur. Dans cette harmonie, loin de moi la sauvagerie, les mauvais jeux humains, labyrinthe malsain d'expériences sans sortie. Dans cette harmonie, un monde sain, un paradis. La nature, juste la pureté, source des désirs de pureté, juste s'unir dans l'authenticité pure. La nature est la source d'un désir pur. La nature, oui, la nature. La nature me ramenant à la source, ma source. Deux humains s'aimant. Hors du temps, reprenons source dans l'eau qui coule. Dans ce mouvement hors du temps, le temps d'un éternel mouvement. Oui, la nature est le désir le plus pur. Le désir le plus pur est d'être la nature. Voilà ce poème que je dédicace à un ami avec qui on parle beaucoup de cette question de nature,
de qu'est-ce qui est naturel. Et pendant le confinement, j'ai écouté beaucoup de reportages. Et il y en a un qui m'a marqué qui s'appelle l'écologie sacrée. Je ne me souviens plus le nom parce que les noms, c'est pas mon truc. Guillaume, enfin voilà. De toute façon, je partage tout ça sur mon Facebook. Et qui m'a fait me questionner sur cette manière aujourd'hui de se sentir divisé en fait avec la nature, de ne pas se sentir inclus dans la nature des humains. Et je crois que c'est vraiment la source des problématiques qu'on a aujourd'hui. Et voilà ce poème pour évoquer cette harmonie de partage avec un autre et avec la nature. Este poema hablaba de la naturaleza y yo lo escogí para hablar de esta problemática, no sé si se dice en español, pero esta reflexión que el humano ahorita a veces se considera dividido con la naturaleza y no se considera incluido. Y hacer el amor en la naturaleza, con la naturaleza, adentro de la naturaleza, es lo que escribí en este poema. Porque la reunión donde vivo en esta isla he descubierto de nuevo esta conexión muy fuerte con lo que llamamos naturaleza. Maintenant, il faut que je vous raconte qu'il me manquait quelque chose. Hier, en fait, il me manquait de la musique. J'aime faire l'amour sur la musique. Alors, comme hier, je n'avais pas l'inspiration, mais qu'elle me revient aujourd'hui, je vous la raconte. J'aurais aimé remplir l'atmosphère, des sons sensuels et éphémères du tango argentin. Ils auraient imprégné nos corps de sensualité, nos esprits de spiritualité. Nous aurions fait vibrer un peu de notre divin. Les rencontres nous permettent toujours d'avancer, de s'apprivoiser soi-même. Et notre rencontre, cette rencontre, avec mes auditeurs, avec mes auditrices, m'a permis de m'apprivoiser moi-même. Et c'est malgré moi que je m'aperçois que je suis profondément romantique. Ah non, pas le romantisme consensuel, pas de machisme ni de fausse galanterie, ah non, du romantisme sensuel. Sincérité baignée de poésie. J'aime l'intensité d'un regard dans la nuit. J'aime la valeur qu'on donne au hasard. Comme j'aime le feu, la colère et la rage, autant que j'aime les larmes et le drame. Oui, bien sûr, j'aime aussi l'amour sauvage. Ce que certains appellent possession. Ce que certains appellent passion. Oui, je désire la passion. Je l'aime autant que je la crains. Je la désire autant que je la fuis. Hélas, je me suis toujours accrochée à la raison. Mais la raison n'apporte que l'ennui. Oui. Je rêve de glaçons. Je rêve de mouvements, de glissements de soie rouge et noir, leurs mouvements lents et rythmés le long des murs de ces très longs couloirs. Oui, je rêve d'étreintes passionnées où les corps mélangés, enlacés, ne se libèrent que lorsque ce puissant cri de soulagement est lâché et qu'ils entraînent
dans ce foudroiement à l'unisson, deux âmes à l'abandon. Je dois avouer, je suis profondément romantique. Je ne l'ai pas choisi. Je suis ainsi. Il y a la douceur dans la caresse d'un regard subjugué par l'être aimé. Ce regard admirant le visage et les courbes de l'être aimé, brillant sous la lumière dansante d'une flamme. C'est cette beauté-là qui nourrit mon cœur et mon âme. Oui, il y a le bonheur dans ce partage de chaleur, ce peau à peau dans le toucher, lorsque dans un geste se déverse une inhumaine noblesse, prenant source dans l'intention de protéger, d'admirer, de respecter, de remercier. Ces instants de bonheur, ces instants improbables où se déploie la beauté, la pureté, ces instants de bonheur où étincelle dans nos cœurs ce sentiment d'infinie sagesse, ce sentiment d'aimer. Merci. C'est un texte que j'aime beaucoup et la chaleur, le peau à peau, je pense que ça prend tout son sens dans cette période-là où on s'est enfermé, on nous a interdit de faire la bise. C'est assez étrange ce qu'on a vécu, mais moi j'ai envie qu'on en tire tous, en tout cas ce sentiment-là, que être avec les personnes, que le toucher, la proximité aussi est importante. Ay, no sé si podré traducir todo eso en este poema. Yo hablaba también del calor, del no sé cómo se dice, cuando nos tocamos, es muy importante y lo sabemos aún más en este periodo que estábamos prohibido a tocar a la gente, y espero que todos se han dado cuenta cuánto es importante el contacto humano. Gracias. Ok. Est-ce qu'on joue avec la main du hasard? Je ne sais pas si vous aimez le hasard. Voilà, moi j'aime beaucoup dans mes spectacles partager des moments uniques, donc je fais piocher des morceaux de poèmes pour que on puisse créer un poème unique et tous ensemble. Ça rejoint cette idée d'être connecté ensemble comme on l'est tout de suite, même si c'est à travers un écran. J'appelle la main du hasard. Pourrais-tu piocher une dizaine de morceaux de poèmes? J'éclaire par ma bougie la force du hasard. Merci beaucoup. Alors, la main du hasard s'appelle Tony, c'est mon assistant technique et je vous remercie beaucoup d'être là. Alors voilà, c'est un instant là tout de suite, je suis en train de ressentir quelque chose de très particulier parce que donc c'est un moment que j'aime beaucoup parce que c'est le moment où je fais parler, où je fais lire à mon public et j'aime beaucoup entendre leur voix. Et là, je ne pourrais pas vous entendre, mais pas grave, on fait comme on peut. Alors, on va les mélanger, puis on va voir ce que ça va donner.
J'ai besoin, j'ai envie de cette chaleur humaine nue dans mon lit. C'est juste une main saine déposée sur mes reins dont j'ai besoin. Je ne sais plus quoi faire de cet élan si puissant en moi. Une question m'obsède. Saurons-nous être sincères? Oui, je fantasme la passion. Je l'aime autant que je la crains, je la désire autant que je la fuis. Tu ne sais pas où je pars. Je ne sais pas où tu veux me mener, je sens où tu es, je sens ta force qui se hasarde dans des recoins à dévoiler. Et dans un matelas de profond respect, j'essaye de me rassurer. Mais tu rencontres une barrière que je n'ai jamais passée. Déjà c'est brûlant d'intensité, je dis doucement. Et j'ai peur que ta folie soit une vague fracassée dans son élan et que je te vole ton envie. Liberté. Où est ma liberté? Je ne veux m'emprisonner de désir. Saurons-nous nous libérer de cette emprise? Je te désire. Oui. Je te désire et je me retiens. Glissante passion, entre jeux humains pleins de tentations, glissante passion. Je crains que tu ne sois d'amour, je crains de perdre la couleur du jour dans cette intrépide attraction. Le creux de mon âme s'est rempli de poison. Je suis sur le point de perdre la raison. Je cherche une flamme pour anéantir la dépression. Pour un dernier poème de la sensualité féminine, je souhaite jouer avec un instrument qui a été construit par un ami très cher à mon cœur, qui s'appelle Sébastien Harriman et qui fabrique des ngoniers. On dit pas ngoniers, on dit ngoniers. Je le dis très mal. C'est la guitare africaine. Ça vient de l'Afrique de l'Ouest plutôt. Il est fort probable qu'il y en ait dans toute l'Afrique. Voilà. Et donc on va changer juste d'espace pour ce poème-là, parce que comme ça on va mettre juste une petite sonorisation sur cet instrument. Musique, maestro. Merci d'être là. Dans le décor, nous avons la participation de Muriel qui a fait ce magnifique mandala. Je ne sais pas comment on peut l'écrire. Voilà. La pénétration pour moi doit être une caresse intérieure. J'ai
Je laisse aux autres le soin d'apprécier le marteau-piqueur. Au cœur de mon temple, ce sont de fragiles tissus de soie. Délicats, volant dans une brise légère, caressant celui qui les reçoit. Ces mouvements imprévus et éphémères, surprenant l'attentif curieux du mystère. Un mystère qui est plein. Car il est propre à chacun. Le mystère féminin, l'art de devenir un. Voilà, c'est le poème central de mon livre. J'ai eu l'occasion de le partager pour ma première représentation à la télé, sur Télé Créole, sur une émission qui s'appelle Au cœur des femmes, et qui m'avait donné la chance de pouvoir expliquer ce travail-là. Voilà, vous pouvez le retrouver sur YouTube. Voilà, je sais pas combien de temps on est là, parce que moi je me perdrais dans les poèmes, des heures et des heures. 40 minutes. On a la main du bazar, assistant technique et gérant du timing. Oui, alors celui-là je vais le faire sauter, tant pis. J'ai envie du coup de faire partager deux textes finalement, un texte en créole et puis un texte en espagnol, puisque du coup c'est l'occasion. Ce texte-là d'ailleurs s'appelle Ferme Udzier, et je remercie mon ami qui m'a aidé à traduire ce texte qui avait été écrit en français. À la base, merci à Didier. Je ne suis pas sûre qu'il soit très connecté, mais c'est grâce à lui que ces mots existent. Aou, qui agade le monde avec l'osier ouvert. Ferme à l'île, viens découvre mon monde. Aou, ça t'y voit, ferme aux yeux un instant. Écoute le monde. Écoute le temps. Quand la musique qui envoûte à moi m'y prend l'envol, m'y décolle, m'y ferme l'osier, m'y prend le temps. Ah ou, comment on ressent la musique ou ah ou, comment on ressent mon présence côté doux ah ou, comment on entend mon voix. Moi, Nena, la sens. On gagne dans mon haute monde quand il ferme l'osier. Alors que vous n'en avez point la sens pour gagner ni dans mon monde quand on rouvre l'osier. Quand il danse, il ferme l'osier. Quand il sente, il ferme l'osier. Quand il écoute, il ferme l'osier. Alors, on y ferme nos yeux parce que moi, elle a besoin de ça. Ah oui, qu'elle n'a pas choisi d'être comme elle, aux yeux fermés pour toute la vie. Envahie par des ordres, envahie par l'ombrage, envahie par le monde. Dis à moi, qu'au ça ou sans. Regarde à moi, écoute, care. Dis à moi, qu'au ça ou sans.
Quand la musique la gagne, le cœur nous déoue. Quand le son, le rouleur, il prend le corps, nous déoue. Quand il râle ou d'un roule épilé, où l'a senti le bonheur, où l'a senti la force, la vie. Quand la musique y arrête, la fête la finit. Et où, à tourne tout seul, dans tes témoins, mais à tourne dans mon monde, l'osier ouvert, m'y garde à où, dans mon monde en couleur. Et où, reste tout seul dans le fumeur. Tout de suite là, hein. Quand la musique y arrête, dis à moi, où les tristes, où encore en dedans, où entend encore le son rouleur, l'écho font cœur, dis à moi, où ressent. Moi, n'en a encore envie. Ferme vos yeux et rejoins là-haut. Donc c'était un texte que j'ai écrit en pensant aux personnes qui ne peuvent pas voir. Lo escribí para las personas que son ciegas, que no puedan ver los colores de la vida y que siempre pasan sus tiempos a escuchar. Y me encantó trabajar con esas personas. Me encanta escuchar también. Aprendí eso de la vida, aunque hablo mucho. Y je comprends mieux mon ami qui n'avait plus du tout envie de lâcher le direct. J'avoue que c'est un vrai plaisir de donner comme ça, en fait. Je sais pas s'il y aurait quelque chose qui m'arrêterait. Voilà. Je vais vous offrir ce dernier poème qui s'appelle Último Beso, qui est en espagnol, qui est certainement, bon, je crois que c'est le seul que j'ai écrit en espagnol. Amor mío, yo me acuerdo. De un parque, un instante, un recuerdo, amor mío. Yo me acuerdo de este árbol. Este árbol tan grande y precioso. Me acuerdo de todas las luces esta noche de dulces. Amor mío, me acuerdo de todo. Pero ayúdame, te lo ruego, me olvide de nuestro último beso. Amor mío, me dejaste sin paz. Amor mío, qué lastimas, me dejaste un inmenso vacío. Por favor, cuéntame esta noche, cuéntame los detalles. Por favor, bésame otra vez. Quiero encontrar de nuevo las sensaciones. Pero ¿por qué me acuerdo de todos los detalles de todas las noches? Y no me acuerdo. Amor, ven a contarme, amor, dame de nuevo este último beso. Amor mío, entiéndame, ya no vivo por el vacío que me dejas. El vacío que me ha dejado este último beso. Amor mío, no me dejas con mis lágrimas, dime que no te olvidaste. ¡Oh, qué tortura! Olvidé también. Ahora me acuerdo que te desapareciste tú también. Y te llevaste nuestro último beso. Bah, ça tombe bien, puisque c'est un poème qui veut dire le dernier baiser. Je vous adore tous! Los amo mucho. Je vous aime. Merci. Et nous retrouvons sur Facebook en direct tout de suite à 19h.
pour de nouveau un grand partage de poésie.